Alors, excusez-moi, là, il y a dû avoir un petit loupé, là, parce que je n'avais pas compris que c'était forcément moi qui démarrais d'entrée de jeu. Donc, je pensais qu'il y avait un petit mot qui se disait un petit peu pour dire qui était Mona. Et alors, Mona, elle est consultante, conférencière. Elle est cofondatrice du collectif Femmes Azadi, dont l'objectif est de porter la voix des femmes iraniennes et plus largement la voix du peuple iranien. Et ça, après 45 ans, la prise de pouvoir des Mollahs. Elle dénonce, vous l'avez peut-être déjà suivi, rencontré, et je salue et je veux remercier Maud Gatel qui m'a donné cette possibilité d'être à côté d'elle et d'être à cette place justement pour pouvoir lancer et écouter sa conférence. Et donc Mona dénonce les dangers de la suppression de la liberté d'expression en Iran, souhaite mobiliser largement, et appel sera fait auprès de vous, pour que la communauté internationale se mobilise davantage en faveur du peuple, des libertés du peuple iranien. Elle dénonce aussi les groupes qui propagent dans notre pays, on pourra en parler aussi parce qu'il y en a, la propagande de la République islamique d'Iran. Donc tout de suite, je vais lui laisser la parole en la remerciant d'être là, parce que c'est un cadeau que nous pouvons, qu'elle nous fait là, d'avoir ce témoignage très en direct, aussi riche humainement, et qui, quelque part, nous rapproche un petit peu plus de ce qui se passe là-bas. Donc Mona, c'est à vous. Bonjour à tous. Je voudrais commencer déjà par remercier Maud, parce que Maud, ça fait 2 ans qu'elle soutient notre combat, qu'elle a toujours été présente et constante, et ça n'a pas été facile de trouver des soutiens. Donc merci à toi, Maud, et merci de me donner la parole aujourd'hui. Je vous avoue que normalement, je parle toujours sans notes, mais j'ai peur d'oublier quelque chose aujourd'hui, donc je me comporte de manière plus professionnelle. Alors, je viens d'un pays qui est le berceau de l'humanité, qui a plus de 4000 ans d'histoire. Un pays où les premiers droits de l'homme ont été écrits sous Cyrus le Grand. Un pays où les femmes, 600 ans avant Jésus-Christ, travaillaient, touchaient un salaire, occupaient les plus hauts postes dans l'armée. Un pays qui fut un jour un des plus grands empires au monde, un empire dans lequel on respectait la liberté de culte, les minorités, où on avait aboli l'esclavage, où on avait aidé les Juifs à retourner à Jérusalem, reconstruire leur temple. Je viens d'un pays dans lequel la culture, la poésie, le vin, l'art font partie de notre ADN. Et puis un jour, mon pays a basculé. Mon pays a basculé dans l'obscurantisme, dans l'islamisme, à cause de 2 choses qu'on appelle chez nous le rouge et le noir. Le rouge étant l'extrême gauche, le noir étant l'islamisme. Cette union contre nature a provoqué la chute de cette nation plurimillénaire. Du jour au lendemain, un pays dans lequel les femmes ont voté 7 ans avant les femmes suisses, où elles avaient le droit d'avorter en même temps que les femmes françaises, où Dalida, Brandt, beaucoup d'autres artistes, Alain Delon, venaient passer leurs vacances et se produisaient. Un pays qui était considéré finalement comme le Saint-Tropez du Proche et du Moyen-Orient a basculé dans l'horreur totale. Les petites filles devaient se voiler dès 6-7 ans à l'entrée au CP. Le mariage a été autorisé dès l'âge de 9 ans. La peine de mort aussi, dès l'âge de 9 ans, puisqu'on considérait une femme adulte à cet âge-là. D'un seul coup, on a vu apparaître des motifs d'inculpation comme inimité envers Dieu, un Dieu imaginaire très susceptible, puisque à cause de lui, toutes les peines pouvaient être appliquées. On a vu la lapidation. Je ne sais pas si on réalise l'horreur d'une lapidation, mais les pierres qui sont lancées sur une femme, enterrées jusqu'aux épaules, ne doivent être ni trop petite pour pas que ça dure trop longtemps, ni trop grosse pour ne pas qu'elle meure trop vite. On a vu la flagellation, les amputations à vif, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. On a vu des gens perdre des mains parce qu'ils avaient volé, être pendus à des grues. Et même là, les femmes étaient discriminées, puisque ce voile qu'on leur a imposé, elles mettaient plus de 80 secondes de plus qu'un homme pour mourir parce que la corde mettait plus de temps à leur serrer le cou. Il y a ma mère qui est assise là,
C'est la première fois qu'elle m'accompagne. Ma mère. Je vous parle de ma mère parce qu'elle a dû fuir cet Iran qu'elle n'a plus reconnu. Elle est partie seule à 23 ans avec deux enfants dans un pays qu'elle ne connaissait pas, une langue qu'elle ne maîtrisait pas. Et je la remercie d'avoir sacrifié tout ça, d'avoir laissé sa vie derrière elle pour nous offrir la chance de vivre libre en France, mais surtout de nous avoir inculqué à mon frère et moi la culture perse. Pourquoi c'est si important pour moi de parler le persan, de connaître mon histoire, de connaître les valeurs de mon pays? Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, après 45 ans de République islamique, la jeunesse iranienne et les femmes iraniennes continuent de lutter. C'est comme ça, grâce au savoir et à l'éducation de nos parents, de génération en génération, que cet obscurantisme n'a jamais pu avoir aucun effet sur le peuple iranien. Quand Khomeini est arrivé en Iran, comme vous le savez tous, de Neuf-le-Château avec un avion Air France, et je vais revenir sur ce détail pour que vous compreniez bien pourquoi j'insiste là-dessus, il a dit une chose. Il a dit, si nous voulons imposer l'islam aux Iraniens, il faut tuer leur patriotisme. Tant que ces gens-là se sentiront iraniens, ils n'accepteront pas l'islamisme. Il faut détruire leurs valeurs, leurs drapeaux et leur histoire. Si vous faites bien attention à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, qui est contre le patriotisme? Qui est contre le drapeau français? Qui a communiqué des valeurs qui font qu'aujourd'hui, quiconque va sortir le drapeau de la France aura honte, aura peur d'être taxé de facho, leur mot préféré. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que quand j'ai commencé à me battre pour les femmes iraniennes, c'était une évidence qu'il fallait que l'Occident nous aide, d'abord pour des valeurs humanistes, mais aussi parce que l'avenir de l'Occident en dépendait. Mais très vite, j'ai réalisé qu'en fait, ce combat était double. Non seulement je devais me battre pour l'Iran, mais aussi pour la France. Parce que ce soit moi ou tous les Iraniens qui sont aujourd'hui réfugiés partout en Occident, on arrive tous à la même conclusion. L'Occident est en train de prendre le même chemin que l'Iran il y a 45 ans. On peut se dire, c'est pas possible, c'est impossible. Et pourtant, vous auriez dit à n'importe quel Iranien en 79, 6 mois avant la révolution, vous allez basculer et la charia sera appliquée. Personne ne vous aurait cru. Je vais vous donner un élément qui vous permet de réaliser à quel point l'Iran était moderne à l'époque. Est-ce que vous saviez que le premier mariage homosexuel avait été célébré en 75 en Iran? Imaginez à quel point on était dans une société moderne et à quel point on a pu basculer. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Occident, j'en parle presque plus que du combat du peuple iranien, parce que je me rends compte que cette alliance contre nature de l'extrême gauche avec les islamismes est en train de se reproduire sur notre territoire. Et c'est très important pour moi d'alerter, parce que j'ai un peu l'impression d'assister à une passivité, et cette passivité peut mener au drame. Aujourd'hui, on a dans les rues en France des gens qui font l'apologie du terrorisme, on a des gens qui font l'apologie de l'islamisme, on a des gens qui emploient des méthodes fascistes, qui bordélisent la vie politique, qui traitent de fascistes, qui essayent de silencier toute personne qui oserait avoir une parole républicaine et laïque. Et puis, je pense que là où j'ai vraiment réalisé la plus grosse bascule qu'il y a eu dans notre société, moi, je suis ce qu'on appelle une féministe. Alors, j'ai compris très rapidement que dire juste féministe, ça ne veut rien dire. Il faut rajouter universaliste derrière, sinon c'est caduque. Parce qu'aujourd'hui, le féminisme est mort, il est en train de se noyer. Et moi, quand je militais pour les droits des femmes, avant le 16 septembre et la mort de Mahsa Amini, qui, comme vous le savez, est morte, battue par la police des mœurs pour une mèche de cheveux qui dépassait de son voile, assez naïvement, j'ai pensé qu'on allait voir une vague violette dans les rues en Occident, qu'il y aurait d'immenses manifestations partout, à Paris, à Marseille, à Bordeaux, de toutes les femmes du monde entier. Parce que je ne sais pas si on réalise le courage que ça demande pour une femme de sortir dans la rue sans son voile, de danser, de le brûler, de crier, ni voile, ni soumission, égalité et liberté. Le voile, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, est le porte-drapeau de l'islamisme. Il y a 3 jours, le chef des gardiens de la révolution islamique a dit « Si les femmes iraniennes arrachent ce voile, la prochaine étape, c'est qu'elles arracheront notre drapeau. C'est notre arme la plus puissante pour investir l'espace public. » C'est pour ça que nous, on milite férocement pour la laïcité et qu'on combat ce féminisme qu'on appelle aujourd'hui intersectionnel et qui a fait silence sur notre sort, mais qui a aussi fait silence sur le sort des Afghanes, parce qu'on a compris très vite
que le féminisme occidental aujourd'hui ne se bat que si le bourreau est un homme blanc, cis, alors je reprends leur terme, bourgeois et d'un certain âge. Si le bourreau est un peu bronzé, qu'il porte une barbe et encore mieux un turban, alors il a le totem d'immunité. Et on ne parle pas de lui. Et pire, on silencie les victimes. Aujourd'hui, entre l'Afghanistan et la France, c'est 60 millions de femmes qui sont soumises au pire apartheid sexuel qu'on puisse imaginer. Je ne sais pas si on réalise ce que c'est pour une femme de devoir porter ce voile de force, l'humiliation qu'on ressent. Parce que ce n'est pas juste un voile. Ce voile sur la tête veut dire que votre parole vaut la moitié de celui d'un homme, que votre héritage vaut la moitié de celui d'un homme, que vous n'êtes pas assez intelligente pour être juge, par exemple, ou ministre, que vous êtes consommable dès vos premières règles. Ça s'appelle de la pédocriminalité. Ce voile, ça représente tout ça. Ce voile vous dit que votre voix ne doit pas être entendue par un homme parce qu'elle est trop aguicheuse. Et c'est toutes ces valeurs-là, aujourd'hui, que les féministes ont décidé de porter et de nous silencier, nous. J'ai vu très vite qu'elles employaient le mot islamophobie, fasciste. Est-ce que vous saviez que le mot islamophobie a été promu par le corps des gardiens de la révolution islamique au moment de l'instauration par Khomeini de la première république islamique, et les premières personnes qu'il a qualifiées d'islamophobes étaient les femmes iraniennes pour les obliger à porter le voile. Ce terme ne devrait même plus exister en France. En fait, le fait même de parler d'islamophobie, ça sous-entend qu'il y aurait encore un délit ou un crime de blasphème ou d'inimité envers Dieu. On n'a pas le droit en France de s'en prendre à un individu en raison de ses croyances, mais on a le droit de critiquer une idéologie. L'islam qu'on voit aujourd'hui se répandre à travers le monde est ce qu'on appelle l'islam politique. Il est en train d'attaquer nos valeurs et il est porté par l'extrême gauche française. Il a complètement gangréné nos écoles, nos universités, nos instituts de recherche, nos médias. Si vous saviez le nombre de médias dans lesquels je suis bannie aujourd'hui pour m'empêcher de porter cette parole. La situation est beaucoup plus grave et je pense que tous les acteurs du secteur sont en train d'alerter sur la situation. Et c'est pour ça que je fais toujours ce rapport, parce que les personnes qui sont aujourd'hui en train de payer cette propagande pour agir sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, est-ce que vous saviez que Twitter est pour 65% des jeunes, TikTok, la première source d'information ? Qu'un jeune aujourd'hui entre 15 et 20 ans passe entre 2 et 4 heures sur TikTok par jour. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur TikTok passé 2 heures, mais je vous promets qu'après 2 heures sur TikTok, n'importe lequel d'entre vous a envie de se convertir. On en est à ce niveau-là. Et en fait, on est en train d'assister à une inversion totale des valeurs où des islamistes sont perçus comme des résistants, où on développe une haine de l'Occident. Et Khomeini jouait sur les mêmes leviers à l'époque, l'anti-impérialisme, l'anti-Occident, l'anticolonialisme, et les mêmes leviers sont utilisés 45 ans après par les mêmes acteurs pour fragiliser nos démocraties de l'intérieur. Les femmes iraniennes, elles ne sont pas juste en train de se battre contre l'apartheid sexuel pour avoir le droit de se balader avec ou sans voile, parce qu'on adore réduire finalement le champ de la lutte à juste une liberté ou non de porter un voile. La réalité, c'est que ce voile, elles sont en train de le brûler. Personne ne brûle un voile si c'est juste une liberté de porter ou non une casquette. Si elles le brûlent, c'est parce qu'elles veulent faire tomber toute la République islamique. La République islamique, aujourd'hui, c'est les plus gros financiers du terrorisme mondial. C'est plus d'un milliard de dollars, par exemple, investis chaque année rien que dans le Hezbollah. Pour rappel, le Hezbollah a tué des dizaines et des dizaines de Français dans des attaques terroristes. Il commet encore aujourd'hui des assassinats ciblés partout à travers le monde. Rien que sur les 12 derniers mois, 50 tentatives d'attentats ont été déjouées et elles ont toutes été commanditées par la République islamique d'Iran. Donc ce n'est pas juste un combat pour le montrer ses cheveux ou pas, ce n'est pas juste un combat d'Amazon qui brûle des voiles parce qu'on adore romantiser notre lutte, mais elle est bien plus profonde que ça. Les Iraniens et les Iraniennes sont en train de se battre pour nos valeurs, pour des valeurs républicaines, pour des valeurs laïques, contre le terrorisme, contre les ennemis de nos démocraties. On a très très peu d'alliés et énormément d'ennemis. Et j'ai souvent l'impression qu'on a tendance à regarder ailleurs, à ne plus nous voir, à ne pas nous écouter, à penser que cette révolution est terminée. Et pourtant, chaque jour, dans les rues en Iran, les jeunes, les femmes, les plus âgés continuent. Il y a des grèves tous les jours, il y a des manifestations. Nos sources sur place nous disent que dans les plus grandes villes d'Iran, plus de 70% des femmes aujourd'hui ne portent plus le voile, malgré les risques.
le plus grand danger qui nous guette, ce serait de faire l'erreur de penser que la République islamique peut être réformée, qu'il existe des réformateurs et des conservateurs. Aujourd'hui, ce qu'on appelle réformateurs dans la République islamique, comme le président Pezeshkian, sont des gens qui font partie du corps des gardiens de la révolution islamique, c'est-à-dire des gens qui sont à la tête d'un réseau de narcotrafiquants très puissants, les mêmes qui fournissent les captagons à ceux qui viennent ensuite commettre des horreurs au Bataclan, par exemple. C'est aussi des gens qui font du trafic d'êtres humains, des assassinats ciblés, des attentats partout. Il n'existe aucun modéré dans la République islamique d'Iran. Il est très important qu'il y ait une mobilisation internationale pour les droits des femmes, pour les droits humains les plus basiques. C'est notre devoir premier que de soutenir ce peuple. Et j'aimerais aussi vous parler des Afghanes, parce qu'il y a quelques temps, il y a 2 semaines, j'ai réalisé une vidéo avec Marzia Amini. Marzia Amini, elle est née en Iran, de parents afghans, qui se sont réfugiés là en pensant qu'ils auraient une vie meilleure qu'en Afghanistan. Et puis, quand il y a eu la chute des talibans, elle a décidé de retourner en Afghanistan. Et puis, les États-Unis se sont retirés en disant les Afghans nous ont promis d'être... les talibans nous ont promis d'être plus modérés et de respecter davantage les droits des femmes, donc nous allons partir et laisser 20 millions de femmes afghanes entre leurs mains. Et puis du coup, Marzia a dû fuir. Après avoir subi la charia, elle a fui et elle s'est réfugiée en France. Elle est championne de taekwondo. Elle a intégré l'équipe de réfugiés. Et puis on a réalisé cette vidéo juste après avoir entendu les nouvelles lois que les talibans venaient de mettre en place et qui ont réveillé le monde. Alors bizarrement, on a dû attendre qu'on aille jusqu'au fait de ne même plus pouvoir parler dans la rue pour que les gens réalisent que 20 millions de femmes étaient emmurées vivantes. Et donc on a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux et peut-être une heure après, j'ai commencé à avoir des centaines et des centaines de messages de haine, de menaces de mort, de menaces de viol, de menaces d'égorgement. Je lui ai envoyé un message et je lui ai dit, Marzia, de toutes les vidéos que j'ai postées, de tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, malgré toutes les menaces que j'ai reçues, je n'avais jamais vu ça. Et elle m'a dit, tu sais ce qui est le plus glaçant, c'est que la plupart de ces hommes sont en Europe. Certains sont en France et ils se comportent exactement comme ce que moi j'ai vécu là-bas avec des talibans. 3 jours après, elle vivait sous protection policière, comme moi. Le fait que je sois aujourd'hui en France pour avoir échappé à cette idéologie et qu'on soit rattrapé ici même dans nos démocraties devrait être un signe assez fort que toutes nos valeurs sont attaquées partout et qu'il faut absolument faire front commun pour nos valeurs républicaines, pour notre laïcité. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouf. Ouf, dur. Bon, merci franchement pour cette première tranche de, j'ai envie de dire, de témoignage. Vous avez vu, du coup, j'ai pas regardé les notes. Hein. Non, mais parce qu'on en a oublié plein de choses. Mais on en a parlé tout à l'heure et bon, on savait que je n'étais pas du tout inquiète pour le papier. Je savais que ça viendrait très naturellement parce que voilà, c'est tellement fort ce que vous vivez, le message que vous voulez faire passer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Iran? Quelle est la situation aujourd'hui? Les gens sont toujours mobilisés. Il y a des grèves, des messages à destination de l'Occident qui sont écrits au péril de leur vie par la jeunesse iranienne sur les murs. Vous savez, les Iraniens, ils attendent l'étincelle, l'appel du pied de l'Occident pour leur dire « cette fois, on est là, on sera derrière vous et on ne vous lâchera pas ». Et ils ne demandent pas grand-chose, hein, vous savez, ils ne demandent pas à ce qu'on fasse une guerre pour eux. Comme vous pouvez le voir, ils n'attendent pas non plus à ce qu'on accueille des millions de réfugiés. Ils ont décidé de rester dans le pays et de se battre au péril de leur vie pour sauver l'Iran. La seule chose qu'ils nous demandent, c'est arrêtez de vous couper les mèches de cheveux et de nous mettre des tapes dans le dos en nous disant qu'on est courageux. Ayez notre courage et agissez. Et la meilleure manière qu'on a d'agir aujourd'hui, c'est de frapper. Là où il faut frapper, c'est-à-dire leur porte-monnaie, leur réseau de blanchiment d'argent, leur réseau terroriste, leur réseau d'endoctrinement.
tout ce qui leur permet aujourd'hui de tenir. Ils n'ont plus aucun soutien au sein de la population. Vous savez, c'est très difficile au sein d'une dictature de savoir combien on est encore à soutenir le régime. Et lors des dernières élections législatives, il y a un hashtag qui a été lancé par les Iraniens qui disait qui était le cirque des élections. Et on avait demandé donc aux Iraniens d'utiliser ce hashtag pour filmer chaque bureau de vote à plusieurs moments de la journée et de le poster sur les réseaux sociaux. Et ce qui nous permettait ensuite à nous, en tant qu'activistes, de faire appel à des ONG indépendantes et des instituts de recherche pour estimer le taux de participation. Bien évidemment, la République islamique a donné ces chiffres de 40% qui ont été logiquement repris par l'AFP, donc par tous les médias. Et nous, quand on a vu les chiffres réels du taux de participation, on était à 10%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle d'un régime qui a 10% de partisans. Sur ces 10%, il y a quand même tous ceux qui ont été obligés d'aller voter sous peine d'emprisonnement parce qu'ils travaillent pour le gouvernement. La République islamique n'a jamais été aussi faible, contrairement à ce qu'on pense, qu'aujourd'hui, n'a jamais été aussi effrayée. La seule chose qui la maintient en place, c'est des négociations qui durent et qui durent depuis 4 décennies. Il y a 3 otages français encore entre leurs mains. Tant que ce gouvernement restera en place, tant que ce régime restera en place, la DGSI devra déjouer des attentats. Les Français qui iront en Iran seront pris en otage. Ils investiront, vous savez combien ils investissent, 80 millions de dollars par mois avec la Russie pour endoctriner la jeunesse française. Toute cette haine que vous voyez aujourd'hui, ce communautarisme qu'on voit et qui est porté par LFI. LFI, pour nous, l'extrême droite, tout le monde sait, tout le monde a compris, c'est le danger, il y a l'arc républicain. Mais de voir aujourd'hui que LFI fait partie de l'arc républicain, moi j'en ai des frissons. Le plus grand danger aujourd'hui de notre démocratie, c'est la France insoumise. Parce qu'elle sait... Parce qu'ils savent exactement où appuyer pour déclencher quoi. Et la meilleure personne qu'ils ont trouvée, c'est Rima Hassan. Parce que Rima Hassan, elle porte en elle toutes ces valeurs qui permettent aujourd'hui de diviser notre société et qui permettent aussi de silencier les gens racisés, comme ils nous appellent, qui portons des valeurs républicaines. Parce qu'ils ont réussi à faire croire aux minorités que des gens comme moi étions des traîtres. Parce que nous étions intégrés, parce que nous aimions la France, parce que nous portons ces valeurs en nous. Et en fait, ces gens-là... Et de la même manière que nous, Iraniens, on dit toujours, écoutez toujours ce que disent les terroristes, parce qu'ils vous disent toujours ce qu'ils vont faire. Écoutez toujours ce que dit Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il est en train de vous dire ce qu'il va faire. Et si vous regardez les discours de Jean-Luc Mélenchon, il est très clair. Et je ne sais pas si vous connaissez Nora Bussini, mais Nora Bussini est une journaliste d'investigation qui a écrit un livre passionnant, parce qu'elle a infiltré l'extrême-gauche pendant plus d'un an. Et moi, j'ai enquêté pendant 2 ans sur justement les réseaux intégristes aujourd'hui en France, qui sont jusque dans nos universités, nos écoles de commerce. Et on a discuté un soir et on s'est rendu compte que cette convergence des luttes qui avait mené au chaos en Iran était déjà en train de se produire en France. Et ce qu'elle vous apprend est complètement effrayant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ont des réseaux d'avocats qui vous apprennent comment répondre en garde à vue pour créer un vice de forme, comment mettre des programmes dans votre téléphone pour que quand les policiers branchent leur machine, ça fasse bugger et qu'ils ne puissent pas extraire des informations. Donc si vous voulez, elle, en infiltrant, elle s'est rendue compte que les activistes d'extrême gauche aujourd'hui cherchent la violence qu'ils n'ont pas, cherchent les armes qu'ils n'ont pas. Et où est-ce qu'ils vont la trouver ? Auprès des banlieues. Donc la meilleure moyen d'aller trouver ça, c'est de radicaliser ces banlieues et de trouver donc des leviers communs. Aujourd'hui, ces leviers communs, c'est la haine du juif, la haine de l'Occident, la haine de nos valeurs républicaines. Et elle est en train de se passer, cette convergence des luttes. C'est pour ça que moi, j'aimerais que tout le monde se réveille sur la dangerosité de LFI. Et je ne trouve pas ça normal qu'à chaque fois, ce soit des associations comme la mienne, des associations d'avocats, des associations juives, qui soient obligées de saisir des procureurs pour qu'il y ait des actions. En fait, à partir du moment où on assiste à une manifestation où il y a de l'apologie du terrorisme, la justice devrait saisir immédiatement et mettre des sanctions en place. Cette impunité est en train de nous mener au chaos. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un réveil collectif sur la question. Oui, merci. Non. On le sentait, on le vit, on l'entend. Mais enfin, je veux dire, ça a encore plus de sens, dit par vous, Zoumouna. Et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Petit message, peut-être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les femmes iraniennes, les femmes afghanes ? Vous avez
Il y a certainement des choses que nous pouvons faire parce que vous êtes quand même aussi, j'ai envie de dire, nos messagères et quelque part aussi certainement celles qui peuvent permettre que les choses bougent et peut-être pour nous aussi nous réveiller. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pour toutes les femmes, ça serait déjà de reconnaître l'apartheid sexuel comme un crime contre l'humanité. Parce que si vous remplacez le mot « femme » par « noir », « handicapé », »,« musulman », le monde entier serait scandalisé. Mais parce que c'est des femmes qui subissent cette ségrégation, personne ne s'en émeut plus que ça. C'est pour ça que c'est très important. La première chose, c'est de reconnaître vraiment l'apartheid sexuel comme un crime contre l'humanité. Et la deuxième chose, c'est de reconnaître ces organisations terroristes comme des organisations terroristes. Le corps des gardiens de la révolution islamique est une organisation terroriste. Il est du devoir de la France de le reconnaître et de le porter au Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, en France, ni le corps des gardiens de la révolution islamique, ni même les frères musulmans ne sont classés comme organisations terroristes. On a 20 ans de retard sur toutes les attaques qu'ils ont déjà menées contre nos démocraties. Moi, j'ai aucun pouvoir là-dessus, mais vous, oui. Donc c'est pour ça que j'aimerais que ce soit vous qui le portiez, et pas qu'on laisse toujours ces sujets contre l'islamisme, pour la laïcité, pour les valeurs républicaines, entre les mains d'une extrême droite qui n'en a rien à faire, qui est aujourd'hui complètement affiliée à Orban, qui fait des voyages et qui va rencontrer Khamenei, et à force de lâcher tous ces terrains qui pourtant nous sont tous chers, on finit par leur donner le bâton pour attaquer notre démocratie, mais de l'autre côté. Donc voilà, c'est tout ce qu'on demande, nous. Merci. Mais peut-être, Maud, que tu pourrais, à ta place, mobiliser peut-être les parlementaires, déjà, de l'Assemblée. Les résolutions sont déposées. Les sénateurs. Et puis, il y a aussi l'Europe. Et voilà. Et je crois que peut-être, tu as peut-être une tâche, là, à prolonger cet appel que vient de nous faire Mona. Eh bien, on va continuer, chère Mona. On sera, comme on l'a toujours été au MoDem, à vos côtés. On avait effectivement posé le sujet de la reconnaissance comme organisation terroriste des gardiens de la Révolution. Ça a été fait par nos parlementaires européens au niveau bruxellois. Une proposition de résolution a été déposée par deux parlementaires, Constance Le Grip et Astrid Panossian-Bouvet, sur laquelle on avait eu l'occasion aussi de travailler avec Mona. Et donc, bien évidemment, je compte sur tous nos parlementaires pour continuer à porter au Sénat aussi, ce beau combat, voilà, à l'Assemblée et au Sénat. En tout cas, Mona, merci. Merci beaucoup, merci à vous pour tous. Tout. Merci, merci. Est-ce qu'on a deux petites minutes, si quelqu'un veut, parce que je pense, enfin, je serai de ce côté-là, j'aurais envie, si on me dit que oui, elle me dit que oui. non, c'est la chef. Je sais que je serai de ce côté-là, j'aurais envie, moi, d'avoir quelques questions. Donc, on peut en prendre trois. Ça vous va ? Trois. Allez, il y a un micro, là. Bonjour, je fais super vite. En fait, je pense qu'ici, le public auquel vous vous adressez est plutôt convaincu de ce que vous dites. Et dans la vraie vie, à part être élu à Grenoble dans l'opposition, ville qui veut mettre le burkini dans les piscines, je travaille à Sciences Po. Comme ça, j'ai la double peine. J'interviens bientôt. Alors oui, Sciences Po Grenoble. Alors par contre, est-ce que vous acceptez de venir vous confronter à ce public difficile, parce que ici, je pense que en fait, vous prêchez un public de convaincus, de ce public difficile des étudiants de Sciences Po Grenoble. Qui vont un peu vous bousculer là-dessus, parce que je pense que c'est absolument fondamental de s'adresser aux personnes qui sont concernées par cette propagande. Avec plaisir. Deuxième, elle répondra, en fait, ça fera conclusion, elle répondra aux trois questions. Mona, d'accord ? Oui, vas-y. Mona, je me permets de vous appeler Mona, parce que c'est vrai qu'au MoDem, on vous soutient depuis toujours de toutes nos forces. J'ai été très émue parce que, bon, on n'a pas le temps, mais j'ai vécu aussi un peu l'islamisme en Algérie avec le Front islamique du salut. Donc, j'ai bu vos mots. Mais j'ai une question. Et est-ce que vous arrivez à protéger... Bon, LFI, c'est un danger extrêmement, extrêmement grave, puisqu'il a divisé la société. Il a lancé la notion de vote musulman. Effectivement, si on ne vote pas LFI, on est des traîtres. Je fais partie de ces traîtres. Donc, on est ensemble. Ça, ce n'est pas grave. Mais la question, c'est est-ce que vous arrivez, vous, combattante, à protéger les enfants ?
où ils sont tout de suite pris dans les écoles coraniques. Est-ce que vous avez quand même un pouvoir sur vos enfants en Iran? Ah oui, ben vous savez, en Iran, malgré le fait que l'instruction est islamique, ça ne marche pas, parce qu'en fait, il y a ce contre-pouvoir, cette contre-éducation des parents. Et si vous voulez un chiffre qui est très parlant, l'année dernière, un des plus grands mollahs de la République islamique a été obligé d'annoncer que 50 000 des 75 000 mosquées avaient déjà été fermées et que les prochaines allaient très certainement être fermées, faute de personnes pour s'y rendre. Ils étaient même prêts à organiser des kermesses dans les mosquées pour amener les gens et y participer. Et on estime qu'aujourd'hui, 70% de la population iranienne est athée ou agnostique. Voilà. Et il y a un vrai retour au zoroastrisme, dans les fêtes zoroastriennes, dans la culture zoroastrienne. Donc, vous voyez comme quoi... peut-être qu'il faudra envoyer vos étudiants en Iran, ça va les calmer tout de suite. Pas que les étudiants, d'ailleurs. Dernière question, bref. Excusez-moi, et après, voilà. Est-ce que je peux poser une question? J'interviens très rarement, mais là, j'ai été très émue par ce que vous avez dit. Merci. Pour deux raisons. La première, mon mari qui est décédé maintenant était iranien, donc mes enfants s'appellent Tavakoli, Anaïta, Camélia et Armand. Anaïta, ma fille aînée. Donc je suis allée moi-même en Iran, donc je sais de quoi il s'agit, mais il y a un peu plus de 30 ans. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je suis comme ma collègue enseignante à l'université, et je constate d'année en année que de plus en plus d'étudiantes portent le voile. Et là, j'avoue que je suis très impuissante par rapport à ça. Et je vous racontais une anecdote d'une collègue qui a osé faire une remarque à un étudiant qui portait la casquette et lui a dit « Pouvez-vous enlever votre casquette par respect ?» Il lui a répondu en montrant du doigt une jeune fille qui portait le voile et elle, vous lui demandez de l'enlever. Voilà. Donc, que devons-nous faire? Que devons-nous dire? Moi, je pense que c'est, en ce qui me concerne, de la provocation, mais je n'ai pas le droit d'en parler avec les étudiants. J'ai un devoir de réserve, je ne peux pas le faire. Donc, que nous proposer. Je pense qu'il faut vraiment mettre des cours de laïcité. J'en suis persuadée. Nous avons besoin de vous, de votre aide. Des cours sur l'histoire, justement, par exemple, de l'Iran et de ce que représente le voile. Parce qu'aujourd'hui, on fait croire aux jeunes filles que pour être respectée, il faut porter le voile. Tout à fait, que pour être séduisante même, il faut porter le voile. Et pour lutter contre cette propagande, il n'y a que le savoir. Et je pense qu'il faut vraiment mettre des modules obligatoires dans toutes les écoles. Et ne pas avoir peur du terme islamophobie. Ce n'est pas grave si on se fait traiter d'islamophobe. Le principal, c'est de sauver la République. Voilà, exactement. Je suis prête à le faire, à m'investir, mais j'avoue que je suis un peu impuissante. Donc, je profite de cette occasion pour vous remercier. Merci. Merci. Dernière question. C'est toi, Marie-Laure. Bon, vas-y. Bonjour à tous. Merci Mona. Enfin, vous le disiez, on vous remercie tous à chaque fois. Et c'est vrai que les mots manquent face à ce que vous racontez. Moi, je vous témoigne vraiment ma reconnaissance. Et j'aurais besoin, justement, comme madame, de vous poser une question quant au port du voile. On en parlait avec Josy il y a quelque temps et avec mon collègue Xavier, justement, sur le terrain. Nous, ce qu'on constate, je suis de Pau. Je suis élue à Pau, en charge de la lutte contre les discriminations, justement, je m'occupe des femmes violentées. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus de petites filles, hein, mais jeunes, 10, 11 ans, qui portent le voile. Alors, quand on pose des questions, on nous dit que c'est leur choix, qu'elles ont choisi cela. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai du mal à assimiler que ça puisse être un choix de leur part. Xavier m'expliquait justement, on a des concours d'éloquence à Pau et que la question du voile est sans cesse un sujet porté par ces jeunes filles issues de quartiers. Nous, notre travail, on essaie vraiment de vivre en paix, hein, de parler des divers sujets sur le ressenti des discriminations, d'avancer ensemble sans jugement parce que chacun a son parcours et chacun a sa vie. Mais là, je vous avoue que, et je le dis devant mes collègues aussi, je me retrouve face à un mur. Je me sens impuissante parce que je ne sais pas, moi, en tant qu'élue locale, ce que je peux faire de plus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a laissé passer quelque chose. On peut être tolérant, mais à un moment donné, où est-ce que ça doit s'arrêter, justement, par rapport aux règles de, vous le dites, de laïcité qui ne doit absolument pas être confisquée par l'extrême droite, parce que c'est aussi ce qui fait la richesse de la France. C'est un concept qui n'est pas forcément compris par d'autres pays, mais la laïcité, c'est aussi notre richesse en France. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, moi, c'est une question qui m'inquiète parce qu'elles sont de plus en plus jeunes et les questions de religion sont sans arrêt au centre du débat. Merci. En fait, je pense qu'on prend à chaque fois le problème à l'envers. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est arrivé à interdire l'abaya,
Alors, c'est une bonne chose dans le sens où c'était nécessaire parce que c'était un vrai sujet, mais on traite la conséquence. Et si on veut traiter la cause, il faut aller chercher justement tous ces réseaux d'endoctrinement, toutes ces sources de financement, toutes ces mosquées aujourd'hui avec des prédicateurs. Il faut, sincèrement, si j'avais le pouvoir, je fermerais TikTok. Ça vient qu'on est arrivé à un tel niveau de propagande sur TikTok que je vous promets que pour moi, c'est la première source d'endoctrinement. Et avec toutes les études qu'il y a sur cette application... Voyez, moi, par exemple, j'ai essayé d'arriver sur TikTok, je me suis dit, je vais essayer de poster les contenus que je poste en temps normal pour essayer d'éveiller un peu les consciences des jeunes. Ils m'ont fermé mon compte TikTok en 2 semaines. Et pourtant, quand vous voyez ce qu'il y a sur TikTok, donc on voit bien que c'est clairement orienté. Mais je pense vraiment qu'il faut aller agir et ne plus avoir peur de fermer des mosquées, d'arrêter les gens qui font de l'apologie et surtout, d'aller taper à ceux des puissances étrangères qui aujourd'hui font de l'ingérence dans notre pays pour pousser, parce que c'est vrai que de toute façon le problème de la baïa, enfin moi, pour moi ça me paraît complètement hallucinant qu'on en arrive à devoir faire ça quand on sait qu'en 2017 les saoudiennes ont mené un mouvement qui s'appelait la baïa à l'envers, donc elles portaient leur baïa à l'envers justement pour lutter contre la baïa. La baïa vient pas du Maghreb, hein. La baïa vient d'Arabie Saoudite, donc quand on vous dit que c'est culturel, c'est n'importe quoi. Donc c'est quand même fou de se dire que le pays de la Mecque, d'où vient la baïa, les femmes prennent le risque au péril de leur vie de le porter à l'envers pour lui dire on en a marre, on ne veut plus être soumise à ce vêtement, et que des jeunes filles en France se retrouvent à vouloir le porter absolument pour aller à l'école. Et je pense que s'il y avait toute une éducation qui était faite sur tout ce qui se passe finalement au Proche et au Moyen-Orient, dans tous ces pays-là, ou même au Maroc, les féministes se battent parce qu'il y a encore 13 000 enfants qui sont mariés chaque année en vertu des lois coraniques. Donc si on expliquait à toutes ces jeunes filles, parce qu'elles ne lisent pas le Coran, elles ne connaissent pas la religion. Elles, on leur a expliqué qu'une femme qui porte le voile, c'est une reine, elle est respectée, elle n'a plus pas besoin de travailler, l'argent qu'elle gagnera, c'est le sien et son mari. Ça, c'est ce que je les entends toutes raconter ça sur les réseaux sociaux, mais elles n'ont pas l'autre versant, la réalité de ce que ça veut dire la charia. Et je pense qu'en expliquant la réalité des choses via des cours sur la vie des Saoudiennes, sur la vie même de Marocaines, d'Algériennes, ce qui s'est passé en Algérie, je pense qu'il y aurait une véritable prise de conscience de ce que ça veut dire que de porter le voile, qui est en fait juste l'instrument le plus visible de l'islam politique. Merci beaucoup. Merci Mona, on va vite partir. Forcément, tout ce qu'on a entendu, tout ce que vous nous avez dit, ça nous a marqués. Et forcément, ça va nous suivre. Merci. Merci beaucoup, merci.